Heat number one of the ladies, 1,000 meters. Three skaters on track. The first two qualify for the top bracket in this distance. Three skaters coming from Quebec. Valérie Maltais, Valérie Lambert et Namasté, Aris Gauthier. Trois Québécoises en piste. Les deux premières à l'arrivée qui se qualifieront pour le haut du tableau. En piste, Valérie Maltais qui a terminé cinq fois première jusqu'à maintenant dans ses compétitions. A remporté le maximum de points sur 1500 mètres et sur 1000 mètres sur 1500 mètres et 500 mètres. Et sur 1000 mètres, eh bien, à une première et une deuxième place à sa fiche. Pour Lambert, on a terminé 10e et 7e sur cette même distance. Et pour Aris Gauthier, on a terminé deux fois au 9e rang. Five laps to go. Aris Gauthier leading the way. Her best distance has been the 1500 meters at these Intact Insurance 2014 short track team selection. She's skating in front of Valérie Maltais, who has won five consecutive distances so far in the competition, finishing second and first in the first two racing of the 1000 meters. Trois tours à faire, ça va de plus en plus rapidement et de l'extérieur. On ne prend pas de chance du côté de Maltais, on déborde devant Aris Gauthier qui ne peut suivre la vitesse. Est-ce que Maltais, plutôt est-ce que Lambert pourra en profiter pour s'amener au deuxième rang? On sait que seules les deux premières accèdent au tableau principal. Sursaut d'orgueil de Valérie Lambert qui s'amène au deuxième rang. Devant Namasté, Aris Gauthier, we're in the final lap, well out in front is Valérie Maltais. Fighting back for second place, très serré dans le virage, very tight in that final corner between Aris Gauthier and Lambert. We'll have to wait and see for the official results. Résultat officiel dans quelques instants. On sait qu'on a eu seulement, si je ne m'abuse, 13 pénalités depuis le début de ces sélections olympiques sur l'ensemble des courses que nous avons eues. C'est un nombre très, très modeste, signe encore une fois du respect et du fair play de nos patineurs malgré les enjeux élevés. Et il semble qu'on vient d'ajouter une 14e pénalité à l'affiche. Pénalité dans la dernière course à Namasté Aris Gauthier pour interférence. Penalty for impeding for Namasté Aris Gauthier. Chez les dames sur 1000 mètres, on a trois patineuses qui ont déclaré forfait. Marie-Ève Drolet, Sabrina Bourgelat et Cassandra Bradette pour cause de blessure. Toutes trois absentes de cette épreuve. Patineuses en piste pour cette vague de qualification. Marianne Saint-Gelais, casque 2, Carrie Morrison, le 9, et Courtney Schmier, le 10, respectivement du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Marianne Saint-Gelais, qui a terminé 6 fois deuxième depuis le début de ses compétitions, terminant 3e et 2e des deux premières épreuves de 1000 mètres. Pour Morrison, qui a terminé 6e et 10e, et pour Schmier, 2 fois 11e. Lors de l'épreuve de 1000 mètres. So, Saint-Gelais Racing in this Heat B finished third and second so far in the 1000 meters. Carrie Morrison finished sixth and tenth, and Courtney Schmier from BC ranked 11th twice in this distance. She's currently sitting in third right behind Saint-Gelais and Morrison. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui à l'Arena Maurice Richard pour ces sélections olympiques. Les enjeux sont très élevés pour de plusieurs patineurs, patineuses qui tentent peut-être d'aller chercher le meilleur classement pour faire les Jeux olympiques ou à tout le moins attirer les regards du comité de sélection pour le choix discrétionnaire pour la 5e place tant chez les dames que chez les messieurs. Pour Saint-Gelais, on n'aura pas besoin de ce choix discrétionnaire, déjà bien positionné pour le classement au point dans chacune des distances. Elle mène le bal devant Schmier et Morrison. Coup de cloche viril de notre fée clochette nous donnant le dernier tour de piste. Alors qu'on est dans la bataille entre Morrison et Schmier dans le virage au coude à coude. Nullement inquiété, Marianne Saint-Gelais qui l'emporte. Deuxième, Morrison, Schmier, troisième. Unofficially, Saint-Gelais wins it, a time of 135.68. Still waiting for the official results in Heat B.
Résultat confirmé maintenant dans la dernière vague. Marianne Saint-Gelais et Kerry Morrison qui accèdent au tableau principal. Saint-Gelais and Morrison qualified for the top bracket. Trois patineuses qui représentent le Québec dans cette vague 3. Jessica Hewitt qui porte le 4, casque 4, terminée 4e et 3e des deux premières épreuves de 1000 mètres. Caroline Truchon qui porte le casque 6, quant à elle terminée 7e et 8e. Et Kim Boutin, casque 15, qui a terminé 12e et 13e. Beau parcours de la jeune Boutin dans les derniers jours de compétition. L'expérience qui commence à s'emmagasiner et on a fait de belles figures tant sur 1500 que sur 500 mètres lors des derniers jours. Opportunité pour elle de brasser les cartes quelque peu et d'accéder au tableau principal en terminant parmi les deux premières de cette course. Hewitt, the best ranked skater in this race, currently sitting in second. She's ranked fourth and third in the first two racing of the 1,000 meters, trying to qualify for her first Olympic Games. Truchon, Hewitt, Boutin, dans l'ordre, pas de changement de position pour l'instant et on me fait mentir du côté de Hewitt, on s'amène aux avant-postes devant. Truchon, on accélère la vitesse légèrement. Four laps to go. Hewitt. Truchon. Boutin. One, two, and three. Only the first two at the line qualifier for the top bracket. Chance for both Boutin and Truchon to improve the ranking. Et on semble vouloir accélérer le tout du côté de Kim Boutin. On déborde de l'extérieur. Ça force Caroline Truchon à peser sur l'accélérateur également. Hewitt nullement inquiété. Attention à Boutin qui s'amène devant Truchon au coude à coude. Beaucoup d'action dans ces vagues de qualification, même si on est à une dernière distance et moins d'enjeux pour certaines patineuses. On y va pour l'honneur dans cette vague Skating for Pride. Boutin and Truchon at the line. Unofficially first place for Hewitt, 141.56. Victoire pour Jessica Hewitt, originaire de la Colombie-Britannique maintenant, qui représente la province du Québec. Toujours en attente de la deuxième place entre Boutin et Truchon. In the last race, dans la dernière course, pénalité au numéro 15, Kim Boutin, pour interférence. Donc, comme je vous le disais, malgré qu'on est à la dernière distance, les patineuses qui mettent leurs dernières énergies dans la bataille et ça cause parfois certains accrochages ou interférences. Et bien sûr, nos officiels sur et hors glace sont aux aguets pour s'assurer que le tout reste dans les règles de l'art. We're off in this last heat in the ladies' competition, showing two skaters from Alberta, Gabrielle Waddell and Jessica Gregg. Vicky Labordette from Quebec, Taylor Schmidt from Ontario. Waddell and Gregg fighting for a spot in the Olympic team. Waddell finished 5th and 6th in the first two racing of the 1,000 meters. Gregg finished 8th and 5th, while Labordette finished 15th and 12th, and Schmidt 16th and 15th. Waddell et Gregg dans cette course, deux Albertaines qui bataillent pour une des dernières places disponibles sur l'équipe olympique. Devront d'abord terminer parmi les deux premières devant Labordette et Schmidt. Question d'accéder aux demi-finales du tableau principal. Absolument rien à perdre pour Labordette et Schmidt qui pourraient jouer les troubles fêtes dans cette course. La pression et les regards étant surtout sur Waddell et Gregg. Three and a half laps to go. Four and a half laps to go in this race, led now by Taylor Schmidt. In front of Vicky Labordette, sitting in third, is Gabriel Waddell making his way on the outside to take the lead out of Schmidt. And watch out for Jessica Gregg, winding up on the outside. Gregg qui prend son accélération de la quatrième à la troisième et à la deuxième place. Belle manœuvre. Well executed outside pass made by Jessica Gregg. Closing in on Gabrielle Waddell, the first two skaters at the finish qualify for the top bracket. On est dans le dernier tour.
On a levé le pied du côté de Schmidt et de Labordette qui ne peuvent résister aux attaques des deux autres patineuses qui bataillent jusqu'à la fin. Et Greg qui est venu ravir contre toute attente la victoire devant Waddell. Unofficially, Greg and Waddell in the first two positions and qualified for the top bracket. Passe maintenant au tableau chez les messieurs, toujours sur la distance de 1000 mètres. Donc, comme chez les dames, on aura quatre vagues. Les deux premiers de chacune de ces vagues qui accèdent au tableau principal. Pour les autres, eh bien, on conclura le tableau dans le tableau de consolation. Encore de précieux points à être distribués dans cette dernière épreuve de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Pour Charles Hamelin, eh bien, a été, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la perfection incarnée lors de ces sélections. Bien sûr, on n'a plus de pression sur le classement olympique. Il est déjà assuré d'un maximum de points. Et on y va définitivement pour l'honneur et créer la légende. Ce ne serait du jamais vu en sélection olympique au Canada en patinage de vitesse courte piste. Un pointage parfait de 9 en 9 sur toutes les épreuves au programme. We're off in this heat number one of the men 1,000 meters. Three skaters on track, Charles Hamelin, Guillaume Bastille, Rémi Beaulieu. Hamelin won every single event so far at the Intact Insurance 2014 short track team selection, accompanied by Guillaume Bastille and Rémi Beaulieu. Bastille finished 11th and 5th so far in the 1,000s. Beaulieu finished 10th and 7th. Pour Rémi Beaulieu, qui en est à ses derniers coups de patin en carrière, sur cette épreuve de 1000 mètres, eh bien, tentera d'y aller pour l'honneur d'accéder une dernière fois au tableau principal. Pour Guillaume Bastille, eh bien, on devra se relever d'une difficile performance sur 500 mètres un peu plus tôt aujourd'hui. Le 1000 mètres étant son épreuve de prédilection. Un habitué de ces situations sous tension. Et Charles Hamelin, eh bien, lui, comme on le disait, absolument rien à perdre. Tentera bien sûr d'éviter des manœuvres qui pourraient causer des blessures. Mais quand même, voudra l'emporter pour l'honneur. Et Bastille qui accélère et... Moving on the outside is Charles Hamelin, taking the lead in front of Bastille and Beaulieu. Only two skaters can qualify for the top bracket in the 1,000 meters. Beaulieu qui a perdu pied, Beaulieu slipped earlier in this race, leading Bastille to stay in second position right behind Hamelin. Avec un tour à faire, ça semble facile, mais croyez-moi, ça ne l'est pas pour Charles Hamelin. De l'intérieur, Rémi Beaulieu now making his way to the second position and Bastille goes down at the line. Hamelin and Beaulieu in the first two positions. Spectaculaire fin de course de Rémi Beaulieu qui, pour l'honneur et l'orgueil, est allé d'un dépassement spectaculaire dans le dernier tour. Malheureusement pour Guillaume Bastille, doit se contenter du troisième rang dans cette épreuve. Et Hamelin, bien encore une fois, plus que convaincant dans cette épreuve de qualification. Il donne rendez-vous pour la demi-finale. Coming up next, the second heat in the men 1,000 meters. Three skaters from Quebec, Charles Cournoyer, Alexandre Saint-Jean, and Patrick Duffy, representing Ontario, William Prudhomme. William Prudhomme represented Canada at last year's World Junior Championship, gaining a lot of experience at the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection. And we will see him for many years to come. Charles Cournoyer, the best ranked skater in this race with 2 second positions so far in the 1,000. Après Hamelin et Beaulieu qualifiés en vague précédente pour le tableau principal, on a deux autres billets disponibles pour Charles Cournoyer. Eh bien, deux fois deuxième sur la distance, à moins de l'emporter sur 1000 mètres, ne pourra améliorer son classement au point puisqu'on ne conserve que les deux meilleurs résultats. Pour Alexandre Saint-Jean, 9e et 6e, on conclut ses sélections quand même en force. Lui qui aurait peut-être souhaité un meilleur classement, mais tout de même sera assurément parmi les 10 premiers du classement général. Pour Patrick Duffy, on avait bien entamé la compétition avec plusieurs 4e et 5e places. On a toutefois terminé 12e lors du 2e 1000 mètres, donc sa chance d'amener dans le tableau principal. Et Prudhomme, eh bien lui, n'a absolument rien à perdre et
tente de déborder le peloton de l'extérieur. On est au coude à coude avec Duffy. 5 laps to go. Still Gournoy in the lead. Duffy in second. Prudhomme in third. Overtaken on the inside now by Alexandre Saint-Jean. And we can expect a good fight between Gournoy, Duffy and Saint-Jean in the remaining 3.5 laps. Gournoy qui décide d'éviter la circulation et le trafic d'heure de pointe en fin de course de l'avant du peloton. Duffy maintient bon en deuxième. Saint-Jean qui l'observe en embuscade de la troisième place. Et du côté de Prudhomme, on a de la difficulté un peu à suivre le rythme. Est-ce que Saint-Jean pourra y aller d'une attaque dans les 150 derniers mètres? One lap remaining. De l'intérieur, from the inside. Well executed move by Alexandre Saint-Jean. Out of Patrick Duffy. À l'arrivée, victoire plus que convaincante de Charles Gournoy, qui l'emporte devant Alexandre Saint-Jean. Excellent spectacle jusqu'à maintenant sur ces qualifications de 1000 mètres. Bien sûr, des amis à l'extérieur de la glace qui doivent batailler un contre l'autre dans ces sélections. On ne pourra faire que des heureux, bien sûr, certains quitteront la glace aujourd'hui avec quelques déceptions. Certains auront encore un petit stress puisqu'on devra attendre les choix discrétionnaires qui viendront dans les prochains jours, prochaines semaines. Et pour d'autres, eh bien, ce sera la joie puisque 3 hommes et 3 femmes seront confirmés sur l'équipe canadienne immédiatement à la fin de ces compétitions. Vague 3, on aura Olivier Jean qui a terminé 5e et 4e sur 1000 mètres. François-Louis Tremblay, fort d'une 4e et 10e place sur la distance, seront accompagnés de Samuel Bélanger-Marceau, 7e et 14e, ainsi que de Maxime Gauthier, 2 fois 13e. Bélanger et Gauthier qui pourraient jouer les troubles fêtes dans cette vague, puisque Jean et Tremblay sont qualifiés comme favoris. The eyes are on Olivier Jean and François-Louis Tremblay in this race. They have to make it to the top bracket, especially for François-Louis Tremblay with a 4th and a 10th place in this distance. Trying to gain a spot through the discretionary selection from the Speed Skating Canada Committee. Pour Olivier Jean, il vient très bien positionné pour aller chercher peut-être la 3e place chez les messieurs. Et à tout le moins se positionner pour un choix discrétionnaire dans le pire des cas. A été très solide depuis le début de ses compétitions. Même s'il ne l'a pas emporté, a été constant sur toutes les distances. Pour Tremblay, eh bien, un spécialiste du 500 mètres qui a fait belle figure sur cette distance. Sur 1000 mètres, devra user de ruse et d'expérience pour se qualifier devant les jeunes loups que sont Samuel Bélanger-Marceau et Maxime Gauthier, qui n'ont, comme je l'ai déjà dit précédemment, absolument rien à perdre. 4.5 laps remaining. Jean in front of Tremblay. Maxime Gauthier sitting in third. Samuel Bélanger-Marceau in fourth. He ranked 7th and 14th so far in the competition. Tremblay ranked 4th and 10th, and Jean 5th and 4th, trying to obtain one of the last spots available in the men's Olympic team. Avec 2 tours à faire, le rythme accélère. Tremblay devra tenter de demeurer dans le sillon de Jean qui perd pied. Olivier Jean, Tremblay, très serré dans le virage. Et c'est François-Louis Tremblay qui prend la tête. Dernier tour, final lap. Jean, Tremblay, Gauthier, Bélanger-Marceau. Et à l'arrivée, pas de changement, les 2 vétérans qui se qualifient pour le tableau principal, Olivier Jean et François-Louis Tremblay. Quatrième et dernière vague des qualifications 1000 mètres chez les messieurs, et croyez-moi, ça en sera toute une. François Hamelin, Vincent Cournoyer, Liam McFarlane et Yann Gauthier qui vont en découdre pour 9 tours de piste. Seulement 2 pourront accéder au tableau principal, et pour Hamelin, Cournoyer et McFarlane, eh bien, il sera important d'y être. Pour Yann Gauthier, eh bien, quelques belles positions, dont une 4e place sur 1500 mètres jeudi, lui permettront d'entamer cette course avec confiance. And
we're off in this heat number 4 of the men 1000 meters. All four skaters from Quebec. François Hamelin, number 25. Vincent Cournoyer, number 27. Liam McFarlane, number 26. And Yoann Gauthier, number 32. So far in the 1000 meters, Hamelin finished 8th and 3rd. Cournoyer did the same, but the reverse, 3rd and 8th. McFarlane, 12th and 11th. À surveiller dans cette course, François Hamelin et Vincent Cournoyer qui sont, se sont inversés les 3e et les 8e places jusqu'à maintenant sur 1000 mètres. Ils devront quand même se méfier de Liam McFarlane qui a terminé 12e et 11e, mais le marchand de vitesse de l'Alberta qui saura tirer les marrons du feu dans les derniers tours. Et Yoann Gauthier, comme je le disais, peut patiner avec confiance et assurance, lui qui représente le futur du patinage de vitesse courte piste au Canada et qui sait pourrait venir se faufiler vers le tableau principal, pour l'instant relégué au 2e rang derrière François Hamelin. Attention à Cournoyer qui s'amène devant Gauthier au coude à coude, épaule à épaule, et perte d'équilibre de Vincent Cournoyer permettant à McFarlane de se faufiler. À Gauthier de le ramener. Et pour Cournoyer, bien, on devra remettre les moteurs en marche pour revenir sur le peloton dans les 300 derniers mètres. 3 laps remaining. Hamelin, McFarlane, Gauthier in the first 3 positions. Cournoyer in 4th. Avec 2 tours à faire, contrôlant le peloton et des patineurs les plus en jambes en ces fins de sélection. François Hamelin qui mène la balle devant McFarlane et Gauthier. Dernier tour, final lap. Hamelin, Cournoyer qui s'amène. Et on a une perte d'équilibre ici. McFarlane qui est venu pousser. On a été au coude à coude dans ce dernier virage entre McFarlane et Hamelin, permettant à Cournoyer et à Gauthier de s'amener. Il faudra voir les décisions en fin de course. Results still unofficial. We had some contacts in the very last corner between McFarlane and Hamelin, leading Cournoyer to come back in the second place. Cadeau de Noël pour Vincent Cournoyer qui est venu se faufiler jusqu'à la 2e place derrière McFarlane, toujours en attente des résultats officiels dans cette vague de qualification. Still waiting for the official results in heat number 4 of the men 1000 meters. We're off in semi-final number 1 in the 1000 meters so far. Malte finished 2nd and 1st. Morrison 6th and 10th, Hewitt 4th and 3rd, and Trichon 7th and 8th. Fidèle à son habitude dans ces vagues de qualification, Valérie Maltais qui impose un rythme très intéressant. On est au-dessus des 40-45 km/h en vitesse de croisière dans ces 1000 mètres, suivi de Trichon. Les deux patineuses du Saguenay-Lac-Saint-Jean en position 1 et 2. Hewitt 3e, Hewitt qui a effectué un parcours des plus impressionnants lors de ses sélections olympiques, sera à peut-être trouver sa place sur l'équipe olympique dans les prochaines heures ou prochains jours. Maltais leading the way in front of Trichon. Hewitt in third, Morrison in fourth. Morrison finished 6th and 10th in the first 2 racing of the 1000 meters. Avec 3 tours à faire, toujours Maltais qui augmente la vitesse. On a une lutte pour la 2e position. Hewitt qui s'amène avec quelques coups de patin efficaces de la 3e à la 2e position. Est-ce que Trichon pourra retrouver sa 2e place? Elle aura 150 mètres pour le faire. Morrison va-t-elle déborder de l'extérieur? Faudra voir dans le dernier 100 mètres. Last lap in this race. We hear the bell indicating that we have one lap to go. Still maintain the lead. Hewitt in second. À l'arrivée, aucun changement. Et sans surprise, Maltais et Hewitt qui iront en finale à 9e finale A consécutive pour Valérie Maltais. Thank you.
Time now for the second semi-final in the ladies 1000 meters. Two skaters from Quebec, two from Alberta. Marianne Saint-Gelais and Valérie Lambert for Quebec and for Alberta. Jessica Gregg and Gabrielle Waddell. Once again, a big hello to those watching us at the Olympic Oval live on TV Go. Départ de cette deuxième vague de demi-finale, 1000 matchs chez les dames. Deux billets disponibles pour la grande finale qui aura lieu plus tard en après-midi. Deux Québécoises, Saint-Gelais et Lambert. Deux Albertaines, Greg et Waddell. Greg et Waddell qui sont en bataille pour une des dernières places disponibles sur l'équipe olympique. Greg ayant terminé 8e et 5e sur 1000 mètres. Waddell 5e et 6e. Greg qui porte le casque 7 et qui déborde de l'extérieur, ne veut pas s'en laisser imposer. Et on lutte ferme, Saint-Gelais qui vient de se faire passer à l'extérieur, à l'intérieur, en quelques coups de patin rapides de nos deux Albertaines. Saint-Gelais qui a terminé 3e et 2e sur l'épreuve de 1000 mètres. A en fait terminé 6 fois 2e jusqu'à maintenant dans la compétition. Et pour Valérie Lambert, eh bien, une 10e et une 7e qu'elle tentera d'améliorer avec une place en grande finale. Attention, on est serré entre Waddell et Greg. Greg qui perd pied, ça permet à Saint-Gelais et Lambert de s'amener aux positions 2 et 3, et on aura fort à faire pour revenir du côté de la patineuse originaire d'Edmonton. 3 laps to go. Waddell, Saint-Gelais, Lambert, Greg, 1, 2, 3, 4, as they're fighting for a spot in the A final. Only 2 laps remaining. Will we see a passing made by Marianne Saint-Gelais? Et de l'extérieur, puissante manœuvre de Marianne Saint-Gelais qui prend la tête et creuse l'écart sur Waddell. Est-ce que Lambert pourra revenir sur Waddell dans le dernier virage? À l'arrivée, victoire confirmée pour Marianne Saint-Gelais. Victoire convaincante de la patineuse originaire de Saint-Félicien qui l'emporte en un temps de 1 minute 31 secondes et 62 centièmes. Première vague qui donne accès à la vague C. Nous retrouvons Courtney Schmier, number 10, Vicky Labourdette portant le 11 et Kim Boutin portant le 15. Et la course s'accélère avec un petit dépassement de l'intérieur de Courtney Schmier. Une Vicky Labourdette qui la reprend de l'intérieur. Vicky Labourdette devant Courtney Schmier et Kim Boutin. Et un double dépassement de l'extérieur et une chute même de Vicky Labourdette alors que Kim Boutin vient de reprendre les devants. Kim Boutin qui a terminé 12e et 13e sur la distance. In front of Courtney Schmier.
Les deux patineuses assurées de se qualifier maintenant avec la chute de Vicky Labourdette et au son de la cloche. Les deux patineuses qui prennent leur temps, qui veulent s'assurer d'une place pour la finale C. Dans cette vague, nous retrouvons Taylor Schmidt, wearing number 14, representing Ontario. Et Namasté Harris Gauthier, qui a terminé deux fois 9e sur la distance et donc qui pourra patiner cette finale 1000 mètres un peu plus tard, en sachant qu'elle a déjà deux 9e positions en place, en poche, excusez-moi. On demande au public tout de même de les encourager. Puisque les deux meilleurs patineurs accèdent à la vague C, celles-ci sont assurées déjà d'y être. Oui, après cette course, nous retrouverons la demi-finale chez les garçons, chez les hommes. Et certainement, ce seront des belles courses, des courses très serrées. Tous les points qui sont très importants, évidemment, à la fin de la journée. Namasté Harris Gauthier ici qui a pris une longueur d'avance et qui terminera devant Taylor Schmidt. L'intensité et l'émotion qui vont monter d'un cran avec les vagues de demi-finale chez les messieurs. Première d'une série de deux demi-finales dans le tableau principal. Vague toute québécoise qui mettra aux prises le duo de frères Cournoyer, Charles et Vincent, respectivement numéro 22 et 27. Accompagné d'Alexandre Saint-Jean et de Liam McFarlane. Dans ces vagues de demi-finale, eh bien, pour certains patineurs, la pression est pratiquement inexistante puisque trop loin au classement de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte-piste de 2014. Pour d'autres, eh bien, on sent une tonne de briques sur les épaules en termes de pression puisqu'on doit aller chercher pour une dernière fois des précieux points au classement général. Et pour Charles Hamelin, qui sera de la deuxième vague de demi-finale, eh bien, tout simplement l'objectif de conclure son parcours de qualification olympique sur une note parfaite. Coming up next, the first semifinal of the men 1000 meters. Four skaters from Quebec on the line. The first two at the finish qualify for the A final. It's promising to be a very exciting first semifinal. Alexandre Saint-Jean and Liam McFarlane have nothing to lose here, trying to gain a spot for their first A final of the competition. They're competing against the Cournoyer brothers, Charles number 22 and Vincent number 27. Charles qui a terminé deux fois deuxième jusqu'à maintenant sur 1000 mètres. Du côté de Vincent Cournoyer, eh bien, a terminé troisième et huitième. Et pour Saint-Jean et McFarlane, l'opportunité d'accéder à une première finale A lors de ces sélections olympiques et de terminer cette compétition sur une bonne note
en vue du restant de la saison. McFarlane, patineur originaire de l'Alberta, qui en quelques coups de patin agile est passé de la quatrième à la deuxième place. Et croyez-moi, l'espace était réduit pour McFarlane qui est venu se faufiler. Attention à Vincent Cournoyer qui s'amène de la troisième à la première. Les frères Cournoyer en tête avec quatre tours à effectuer. 3.5 laps to go. Very tactical race so far with Charles Cournoyer. Taking the lead, Vincent in second, McFarlane in third. Est-ce qu'Alexandre Saint-Jean pourra remonter, lui qui est pour l'instant à la quatrième position? Mesdames, messieurs, faites du bruit pour les 200 derniers mètres! Two laps to go, Cournoyer, Cournoyer, Saint-Jean, McFarlane, ball inside de l'intérieur! Alexandre Saint-Jean finds his way to the second position. À l'arrivée, Cournoyer et Saint-Jean, 1 et 2. Solide prestation de Charles Cournoyer qui l'emporte de manière convaincante en un temps de 1:27.392. Alexandre Saint-Jean qui a sorti le turbo dans les 250 derniers mètres pour venir ravir la deuxième place à Vincent Cournoyer qui aurait bel et bien eu besoin de sa place en finale A. Devra se consoler en finale B. Donc Cournoyer et Saint-Jean qualifiés pour la grande finale. Cournoyer et Saint-Jean qualified for the A final of the last racing of the 1000 meters. Quatre autres Québécois en liste pour la deuxième vague de demi-finale dans ce tableau principal. Le 23, Olivier Jean. Le 31, François-Louis Tremblay. Le 21, Charles Hamelin. Et le 28, Rémi Beaulieu. La situation est simple. Aucune pression pour Charles Hamelin. Aucune pression pour Rémi Beaulieu qui est un peu plus loin au classement et qui en est à ses derniers coups de patin en carrière en courte piste. Mais pour Olivier Jean et François-Louis Tremblay, la situation est tout autre. On n'a pas d'option. On doit aller en grande finale. We're off in this second semi-final. Four skaters from Quebec. The stakes are high, especially for Olivier Jean and François-Louis Tremblay. They need and they want to be in the A-final. Charles Hamelin needs to be in the A-final if he wants to go 9-9 at these selections. And for Rémi Beaulieu, nothing to lose. He will end his career in short track speed skating immediately after today's competition. Avec cette tour à faire, la partie d'échec est lancée. Croyez-moi, mesdames, messieurs, il y aura de nombreux changements de position. Dans les 650 derniers mètres, Charles Hamelin ne veut pas se casser la tête. Mène la course depuis la première place devant Jean. Attention, Tremblay qui s'arrête. Très serré! François-Louis Tremblay qui a tenté une manœuvre audacieuse devant ses coéquipiers. Et est-ce que ça aurait causé une blessure à Charles Hamelin? Ça semble douloureux. Manœuvre téméraire de François-Louis Tremblay devant Jean et Charles Hamelin, c'est la prérogative de l'officiel en chef de rappeler la course lors de ses chutes et ça semble douloureux pour Charles Hamelin. Malheureusement, ça faisait partie des risques pour lui de poursuivre les épreuves. Et on verra dans quelques instants si on peut repartir l'action. Il semble qu'on aurait une pénalité. Carton jaune à François-Louis Tremblay qui malheureusement pour lui devra compléter la compétition sur une très, très mauvaise note. Et on semble penser que Charles Hamelin ne pourra compétitionner jusqu'à la fin. Donc malheureusement pour ces deux patineurs, eh bien, un scénario que l'on n'aurait pas souhaité écrire. Fin de rideau difficile pour Tremblay et pour Hamelin, bien sûr, on espère le revoir en grande forme. On met de côté le parcours parfait. Bien sûr, ce qu'on lui souhaite, c'est de revenir en santé le plus rapidement possible. Mesdames, messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Charles Hamelin, qui a été, et de loin, le patineur le plus dominant lors de ses sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. La forme, Olivier Jean et Rémi Beaulieu qui doivent compléter les 9 tours de piste. Question de s'assurer la place en finale A pendant que Charles Hamelin sera avec l'équipe médicale pour s'assurer que tout est dans l'ordre pour peut-être pas la suite de la compétition, mais à tout le moins la suite de la saison. On sait que l'objectif pour Hamelin est Sochi en février et bien sûr le championnat du monde de Montréal ici en mars. Ça va permettre à certains patineurs d'aller chercher des gros points sur 1000 mètres. On sait que Charles Cournoyer
et Alexandre Saint-Jean sont déjà qualifiés. Et Olivier Jean et Rémi Beaulieu viendront cueillir leurs essais passés dans les 5 prochains tours de piste. Immédiatement après cette course, on aura les demi-finales C et D du tableau de consolation. Donc pour Olivier Jean et Rémi Beaulieu, on pourra terminer cette compétition en beauté. Pour Olivier Jean, peut-être venir s'assurer une place sur l'équipe olympique. Et pour Rémi Beaulieu, eh bien, compléter cette carrière, cette brillante carrière. Lui qui a complété 12 compétitions en Coupe du Monde, participé aux Jeux mondiaux universitaires de 2007, une carrière de 22 saisons qui va se compléter aujourd'hui pour le patineur originaire d'Alma. Jean and Beaulieu will qualify for the A final in about 25 seconds now. Injury to Charles Hamelin, hopefully it won't be too severe, and penalty and yellow card for François-Louis Tremblay in the last racing of the 1,000 meters. That may be costly for the skater from Boucherville. On est dans le dernier tour. Jean et Beaulieu qui vont venir chercher leur place en grande finale et qui viendront compétitionner face à Cournoyer et Saint-Jean dans quelques instants. So it's now official. Jean and Beaulieu qualified for the A final. Dans cette vague, Patrick Duffy portant le 29, William Prudhomme portant le 34 et Johan Gauthier portant le 32. Patrick Duffy avait déjà une 6e et 12e place. William Prudhomme présentement devant 2 15e places. Et donc, s'il accède à la finale pour améliorer son classement, certainement, sur la distance de 1000 mètres, et Johan Gauthier, qui a terminé 14e et 9e. Pour le moment, William Prudhomme en tête de course, Patrick Duffy de l'intérieur, et en quelques coups de patin, c'est maintenant William Prudhomme qui a repris les deux devants. William Prudhomme, donc, devant Duffy. Johan Gauthier qui observe de derrière. Il faudra faire attention tout de même. Still Prudhomme leading. Et maintenant Duffy. Et on joue au chat et la souris, triple chute. Donc, on devra se relever le plus vite possible, évidemment. On va accéder à la finale C sur 1000 mètres. Donc, on aura une belle fin de course. Les patineurs complètement exténués, mais qui donnent tout. Drôle de situation pour ces trois patineurs, mais c'est Johan Gauthier et Patrick Duffy qui terminent respectivement premier et deuxième. Up next, the semi-final D chez les messieurs, semi-finale D, 1000 mètres, vague plutôt relevée avec Maxime Gauthier, Samuel Bélanger-Marceau, Guillaume Bastille qui avait terminé 11e et 5e et François Hamelin qui malheureusement doit se contenter de cette vague D. Le départ est lancé. Au devant, Samuel Bélanger-Marceau portant le 35. Au coude à coude, Maxime Gauthier, François Hamelin et Guillaume Bastille. Bélanger-Marceau qui reprend de l'intérieur. Et on sent que tous veulent la tête.
Now Maxime Gauthier in the lead. Very tight move by Bastille. Bastille wearing number 24 in front of François Hamelin. François Hamelin qui devra oublier ce 1000 mètres. Lui qui a déjà une 8e et 3e position. Guillaume Bastille, quant à lui, pour améliorer sa 11e place. Mais pour le moment, c'est François Hamelin devant Guillaume Bastille, Bélanger-Marceau, Gauthier qui le reprend de l'intérieur. Et à la ligne d'arrivée, François Hamelin qui se qualifie avec Guillaume Bastille. Nous reprendrons les courses à 13h à 15h42. 3:42 p.m. for the final 1000 meters chez les femmes. 15h42, ce sera la grande finale et dernière épreuve de ces qualifications olympiques. Avec 2000 points sur 1500 mètres, 2000 points sur 500 mètres et 2000 points sur 1000 mètres. Mais croyez-moi, Jessica Hewitt, Marianne Saint-Gelais et Gabrielle Waddell ont bien besoin de ce 1000 mètres. Pour Hewitt et Waddell, eh bien, question d'améliorer leur sort au classement. Pour Saint-Gelais, eh bien, sursaut d'orgueil pour peut-être remporter une première victoire lors de ces sélections. On aura, comme je vous le disais, notre qualification olympique pour les trois premières places immédiatement après cette course, puisque pour Jessica Hewitt, eh bien, une victoire pourrait lui permettre de venir ravir une de ses trois premières places. Les enjeux sont élevés. Les cerveaux cogitent, les cœurs palpitent et croyez-moi, on roule rapidement sur la glace de l'Arena Maurice Richard. 4 laps remaining. Maltais, Hewitt, Saint-Gelais, Waddell. Waddell now moving from third to second. Very close in the corner between Waddell and Hewitt with Saint-Gelais sitting in fourth. Will we have a sixth consecutive win for Valérie Maltais? Skating in the lead, right in front of Waddell, avec deux à faire. Two laps to go, watch out for Hewitt, making her way from third to second. Et Saint-Gelais qui se mène, devra se retenir et conserver sa quatrième place. Dernier tour, final lap, by the outside, Hewitt making her way to the front, à l'arrivée. Sixième victoire consécutive pour Valérie Maltais, pointage parfait. Direction Sochi! Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour les patineuses qui passent devant vous. Notre finale A sur 1000 mètres. The skaters in the A final. A good round of applause for our four skaters. Résultat que l'on me dit maintenant officiel dans la dernière course. Victoire de Valérie Maltais. Deuxième pour une septième épreuve de suite, Marianne Saint-Gelais, Jessica Hewitt, troisième et Gabrielle Waddell, quatrième. En train de calculer les différents points et scénarios du côté des gens de Patinage de vitesse Canada. Immédiatement après cette course, on devrait être en mesure de vous confirmer les positions pour le classement olympique. Pour l'instant, eh bien, finale B
sur 1000 mètres, mettant aux prises Caroline Truchon, Kerry Morrison, Valérie Lambert et Jessica Gregg. On se bat pour les points d'une cinquième place, 443 points à l'enjeu. Pour Truchon, eh bien, on a terminé 7e et 8e sur 1000 mètres. Pour Morrison, eh bien, 6e et 10e. Lambert, 10e et 7e. Et pour Gregg, 8e et 5e. Gregg qui va tenter d'aller impressionner une dernière fois le comité de sélection olympique pour être repêché via le choix discrétionnaire avec une belle prestation durant ses sélections olympiques. Spécialiste du 500 mètres, a déjà participé aux Jeux de Vancouver en 2010. Membre de l'équipe médaillée d'argent, elle va également terminer 4e sur 500 mètres. Gregg takes the lead with 3.5 laps to go. Gregg, Truchon, Morrison and Lambert in the first four positions. Let's take the points for position 5, representing 443 points. On a de l'action dans le peloton. Kerry Morrison de l'extérieur, Valérie Lambert de l'intérieur, qui tente de ravir la deuxième place de Caroline Truchon. On a 150 mètres à faire. Belle bataille pour ces patineuses qui en sont peut-être un dernier tour de piste en carrière en patinage de vitesse. Final lap, Gregg, Truchon, Lambert, Morrison, shoulder to shoulder in the final corner, à l'arrivée, at the line. First place, victoire confirmée pour Jessica Gregg. On me confirme qu'à l'heure où on se parle, après tous les calculs ont été effectués, eh bien nos trois premières patineuses pour l'équipe féminine olympique ont été identifiées selon le protocole préattendu. Et Valérie Maltais, Marianne Saint-Gelais et Marie-Ève Drolet sont venues récolter les trois premières positions et feront partie de l'équipe qui s'attaquera aux Coupes du Monde et ultimement aux Jeux olympiques. Le départ est donné. Vague C. Nous retrouvons Namasté Harris Gauthier portant le 16, Taylor Schmidt wearing number 14, Kim Boutin portant le 15 et Courtney Schmier portant le 10. Deux patineuses québécoises dans cette vague, une ontarienne et Courtney Schmier, originaire de la Colombie-Britannique. Les patineuses qui en sont à leur dernier coup de patin de ces sélections olympiques. Course plutôt sans enjeu, mais tout de même, on voudra gagner. Et justement, Namasté Harris Gauthier qui prend les devants de l'intérieur. Donc, Namasté Harris Gauthier devant Courtney Schmier et Kim Boutin qui suit. Un tour et demi. Toujours Namasté Harris Gauthier, elle qui est habituée des finales A sur 1500 mètres. Qui remportera cette finale C devant Courtney Schmier. Et il faudra voir pour Kim Boutin peut-être une deuxième place. Kim Boutin qui a terminé à 1/100 de Courtney Schmier dans la dernière vague, pendant que les hommes de cette s'apprêteront à disputer la grande finale 1000 mètres.
En piste, il y aura Charles Cournoyer, Alexandre Saint-Jean, Olivier Jean et Rémi Beaulieu. Place à la grande finale, 1000 mètres chez les messieurs. Bien sûr, beaucoup parmi vous se demandaient l'état de santé de Charles Hamelin. Eh bien, bonne nouvelle, ça ne semble pas trop sérieux. On ne prendra pas de chance, il ne patinera pas pour le reste de la compétition. Il ira en radiographie faire évaluer de tout au niveau de sa cheville. Mais les nouvelles sont, à ce qu'on me dit, relativement bonnes pour la locomotive de Saint-Julie. Dernière finale 1 chez les messieurs sur 1000 mètres. Scénario un peu éclectique avec Charles Cournoyer qui a remporté deux fois la deuxième place. Le tableau s'ouvre devant lui pour peut-être avoir une première victoire à ses sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Pour Alexandre Saint-Jean, eh bien, première présence en finale A. Olivier Jean pourrait venir ravir la victoire, lui qui s'est très bien positionné pour une place sur l'équipe olympique. Et Rémi Beaulieu qui en est à ses derniers tours de piste en patinage de vitesse. 12 fois médaillé en Coupe du Monde, le patineur originaire d'Alma qui viendra pour l'honneur faire une dernière bataille ici à l'Arena Maurice Richard après une carrière bien remplie et une retraite dans le domaine du coaching qui l'attend à ce qu'on me dit. 4.5 laps remaining. Very tactical race so far between Olivier Jean trying to maintain his position at the top for a spot on the Olympic team. Maybe a chance for Charles Cournoyer after two second places to win a very first distance. Charles Hamelin is doing fine. The injury was not too severe. He will not be competing. Doesn't want to take any chances for the rest of the competition. Un tour et demi à faire. Est-ce que Rémi Beaulieu pourra y aller? Deux dernières attaques. Oh! Il s'est arrivé dans le virage! Dernier tour! Final lap! Jean Beaulieu, Cournoyer de l'intérieur qui se met au deuxième rang à l'arrivée. Victoire pour la fierté de la Chenée, Olivier Jean. Mesdames et messieurs, une bonne et plein d'applaudissements pour Olivier Jean et Charles Cournoyer qui ont connu de superbes sélections olympiques. Alexandre Saint-Jean qui a joué son batou. Et Rémi Beaulieu qui complète sa carrière ici même devant vous. Une bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs. Résultat officiel de la dernière course, Olivier Jean qui l'emporte, 1:27.106. Charles Cournoyer, deuxième. Alexandre Saint-Jean, troisième. Et Rémi Beaulieu, quatrième. Met à fin à sa carrière dans une finale A. Coming up next, the B final in the men 1,000 meters. Two skaters on the ice due to the yellow card to François-Louis Tremblay and injury to Charles Hamelin. That leaves us Vincent Cournoyer and Liam McFaulin. On vient batailler pour l'honneur entre McFaulin et Cournoyer, étant donné son carton jaune pour interférence attribuée par l'officiel à François-Louis Tremblay. Eh bien, il ne peut venir compléter son parcours ici sur 1000 mètres. Charles Hamelin, comme on le disait précédemment, est en route vers des radiographies pour sa cheville. Cependant, rien d'alarmant pour l'instant, donc c'est de bon augure. Et pour Cournoyer et McFaulin, eh bien, on va aller batailler pour les points des positions 5 et 6, et pour l'honneur, ces deux patineurs qui ont été bien dans celle et qui ont bien bataillé tout au long de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014 et qui, mesdames et messieurs, méritent vos applaudissements pour les encourager à nous donner un bon spectacle et donner de bons efforts dans les 500 derniers mètres. Leading the way is Vincent Cournoyer, McFaulin second. These two skaters represented Canada in the last few seasons in the World Cup circuit. Trying to qualify for the Olympic team, they will have to wait and see for the final results at the end of the competition to see if they can grab one of the final spots available. Est-ce que le choix discrétionnaire sera le bon pour McFaulin et Cournoyer, ces deux patineurs qui ont représenté le Canada et remporté des médailles au niveau individuel en Coupe du Monde lors des dernières saisons? Seulement 5 laissés-passer disponibles pour les Jeux olympiques et pour l'instant, bataille pour l'honneur et les points de la 5e place devant vous ici à Montréal.
Le coup de cloche est donné, nous donnant le dernier tour. Mesdames, Messieurs, on les encourage en dernier tour. Will McFarlane make his way to the front. Looks not. À l'arrivée, victoire confirmée pour Vincent Cournoyer devant Liam McFarlane. Plus que deux courses à faire lors de ces sélections olympiques. Two more races left in the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection, the C and the D Final. Dans cette finale, consolation finale C, eh bien, trois patineurs qui ont été aux avant-postes tout au long de la compétition, mais qui ont joué de malchance en ronde de qualification. François Hamelin, Guillaume Bastille et Patrick Duffy feront face à Johan Gauthier, qui a excellé sur 1500 mètres et un peu sur 1000 mètres plus tôt dans la compétition. Patineurs qui vont batailler pour les points des positions 9 à 12. Et pour Hamelin et Bastille, eh bien, leur sort sera fort probablement entre les mains du comité de sélection olympique de patinage de vitesse Canada pour le cinquième choix, choix discrétionnaire. Début de course plutôt lent. On sait que ces patineurs vont faire beaucoup d'efforts dans les 10 derniers jours. On est à l'aréna depuis tôt ce matin pour se préparer et courir. Début de course plus tactique. Guillaume Bastille, François Hamelin, membre de l'équipe olympique de Vancouver en 2010, qui vont tenter de finir ces sélections en beauté malgré de décevants résultats en première ronde sur 1000 mètres. Pour Bastille, eh bien, on a terminé 11e et 5e jusqu'à maintenant sur 1000 mètres. Hamelin, 8e et 3e. Et on sera en mesure, après cette course, de vous donner nos trois premiers athlètes qualifiés pour les Olympiques. Ou à tout le moins pour l'équipe canadienne qui ira en qualification et ensuite aux Olympiques. On vous le donnera dans quelques instants. Four laps remaining. Johan Gauthier in the lead. Duffy in second. Hamelin in third. De l'intérieur, Bastille. Et de l'extérieur, François Hamelin qui prend la commande. Three laps to go. Hamelin, Gauthier. Attention, Bastille qui passe de la troisième à la deuxième place devant Johan Gauthier, deux patineurs originaires de la région de Rivière-du-Loup qui bataille fermée. Duffy qui se mène maintenant à la troisième place. On attendra bientôt la cloche pour donner le dernier tour. Final lap, dernier tour de piste. Bastille qui tente de l'intérieur. Serré de l'intérieur. Bastille qui a tenté le tout pour le tout, trop peu trop tard. Et Duffy qui vient récolter la victoire devant Hamelin et Gauthier. Unofficially first place for Patrick Duffy. François Hamelin second. This was the C final in the men 1000 meters. Quelle fin de course pour les patineurs qui sont allés pour l'honneur et les points de la 9e place sur 1000 mètres. On ne s'est pas fait de cadeau entre Bastille et Hamelin. Dans la dernière course, in the last race, pénalité au numéro 24, Guillaume Bastille, pour interférence. Donc, mesdames et messieurs, on nous confirme à l'instant nos trois patineurs masculins sélectionnés pour notre équipe canadienne selon les critères préétablis. Charles Hamelin, sans surprise, est accompagné d'Olivier Jean et de Charles Cournoyer. Donc, mission accomplie pour ces trois patineurs, un mélange d'expérience et de jeunesse pour cette équipe. Charles Hamelin qui sera à ses troisièmes Jeux olympiques, Charles Cournoyer à ses premiers et Olivier Jean à ses deuxièmes. Félicitations, messieurs. Et c'est la dernière course de son long parcours de 2 semaines. Sélection olympique avec trois patineurs plutôt jeunes, avec William Prudhomme, qui en a ses premières sélections, en fait, les trois à leur première sélection olympique. William Prudhomme, pourtant le 34, Samuel Bélanger-Marceau, le 35, et Maxime Gauthier, le 33. Présentement devant, c'est William Prudhomme. Il est aussitôt redépassé par Samuel Bélanger-Marceau. Qui accélère la cadence.
Bélanger Marceau devant Prud'homme et Gauthier qui observe. Et pendant ce temps, Prud'homme qui vient reprendre de l'intérieur. C'est une belle bataille entre William Prud'homme et Samuel Bélanger Marceau. Et Maxime Gauthier de l'intérieur avec un joli dépassement sur Samuel Bélanger Marceau, mais qui le reprend immédiatement. Pendant ce temps, William Prud'homme qui creuse l'écart. Et on les encourage avec un tour à faire et au son de la cloche, toujours William Prud'homme, Samuel Bélanger Marceau et certainement Maxime Gauthier. Bravo à ses patineurs qui viennent conclure la fin de semaine. Donc, mesdames et messieurs, ceci met un terme à un marathon de patinage à vitesse courte piste. Nos meilleurs athlètes patinage à vitesse courte piste qui ont été des nôtres. Une semaine et demie remplie d'émotions et d'actions pour plusieurs patineurs. Ce sera le soulagement ce soir de pouvoir relaxer un peu plus. Félicitations et merci à nos officiels et à nos bénévoles encore une fois pour le travail lors des dernières compétitions. On vous invite, mesdames, messieurs, à revenir parmi nous le 14, 15 et 16 mars prochain pour le championnat du monde de patinage à vitesse courte piste, ici même, à l'Arena Morin.